Bonjour à tous et à toutes, c'est Bob de Pesso, on se retrouve donc pour la partie numéro 2 de notre aventure saison 2 de Dofus. Alors c'est la version 2.26. Alors bien entendu je continuerai des vidéos sur World of Warcraft et je vais essayer de m'efforcer d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui me laissent des messages, je suis désolé. Sur Minecraft, ma partie hardcore, également, faut que je le fasse. Hein. Comme je l'avais dit précédemment, sur une vidéo, en fait, je suis un indépendant, je n'ai aucune consigne. Je fais les vidéos telles que, au gré du vent, au gré, on va dire, lorsque je joue, j'ai envie de jouer à ça, je fais des vidéos sur ça. Voilà, je me fais plaisir, en fait, on va dire. Sans pour autant, voilà, ma chaîne n'est pas monétisée, je me fais pas du tout d'argent. Donc je fais ce que je veux un petit peu, et j'essaie quand même de faire plaisir, et puis aussi laisser une trace pour mon fils pour plus tard, lorsque je serai mort. Alors donc, voilà, il y a un truc que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une maison qui m'intéresse. Alors c'est une maison avec pas mal de coffres. Alors il est très intelligent, lui, il est pas comme les autres. Il nous laisse rentrer dans sa maison. Alors elle est très 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 similaire, et d'ailleurs c'est exactement la même que j'avais... lors de notre saison numéro 1 sur Dofus. Alors, la maison de boucher, je sais pas si vous vous souvenez. Donc il y a 5 coffres. Alors vraiment ça c'est vraiment très intéressant pour moi. C'est vraiment ce que je recherche. Et également donc on peut faire un métier. Donc je vais faire cuire mon petit pain. Étant donné que je suis boulanger également sur un autre personnage. Et je pourrais faire mon petit pain chez moi tranquille, pépère la famille. Voilà. Et ouais, je vais l'acheter. Franchement, je vais l'acheter. Alors, je me suis fait 10 millions, voire 12 millions en 2 jours. Et en 3 jours, je me suis fait 20 millions. Alors, j'ai acheté un super item pour mon autre personnage. On le voit pas là. Du coup, moi, il me reste plus beaucoup. Il me reste que dans 33 millions. Je suis arrivé il y a 3 jours avec 25 millions. Je me fais de l'argent relativement vite, j'en suis très content. Alors j'ai appris pourquoi également, une chose que c'était pas du tout marqué. D'ailleurs je fais pas du tout de script, hein. C'est que du blabla, et du blabla en vrai, hein. C'est-à-dire c'est des choses que je vous donne petit à petit, des petites informations qui viennent au compte-gouttes. Laïla, bonjour Laïla d'ailleurs, qui m'a dit que beaucoup de personnes partent de ce serveur, parce que justement les prix sont très élevés. Seulement Laïla elle a dit un truc très très bien et je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est que tout simplement s'ils sont très élevés c'est qu'il n'y a plus beaucoup de bots. Donc vous ça vous laisse une chance avec vos métiers, donc vos métiers de farm, de vous faire de l'argent en farmant et pas obligatoirement en faisant des coliséums et des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, grosso modo c'est ça. C'est également pour cette raison que je me fais énormément d'argent. Je me ferai pas autant d'argent sur les autres serveurs, ça c'est sûr et certain. Voilà. Ah bah elle est connectée Layla. Bonjour Layla. Qui est de la guilde Pink Punk Paradise. Alors voilà, donc j'ai fait du propre dans mes coffres. Je vais vous montrer tout ceci. Alors je vais à l'hôtel des ventes des boulangers, comme ça au moins... Je sais où est ma maison, elle est pas loin du tout, elle est hop, droite et gauche, droite et bas, pardon. Voilà, c'est ma maison. Alors je rentre. Alors j'ai fait du propre, alors ça m'a pris 2 heures, hein, on l'a pas vu dans la vidéo bien sûr, hein, j'allais pas vous montrer les allers-retours rébarbatifs. C'était vraiment pas nécessaire. Alors dans le premier coffre, j'ai placé... je place les équipements, les dofus et la bouffe. Enfin, la bouffe, non, la viande, pardon. La viande pour mon métier de boucher. Ensuite, nous allons aller à l'étage. Donc, le petit étage, premier coffre. J'entrepose donc toutes les fleurs et les plantes. Dans le troisième coffre, j'entrepose tout ce qui est bois. Dans le quatrième coffre, j'entrepose... tout ce qui va me permettre de faire du pain. Alors ça va être avec mon autre personnage. Hein. Alors je vais me faire zizir, hein, je vais faire du pain. En plus c'est chez moi et tout, c'est cool. Je vais faire du pain chez moi, tranquille le petit chameau gris. Et dans le dernier coffre, tout ce qui est minerai et donc pierre précieuse. Voilà, parce que je suis également un mineur. Hein, voici mes métiers, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent mes vidéos. Je suis mineur. Je suis bûcheron, alors bientôt level 80 j'espère, parce que c'est vraiment galère.
Et alchimiste, bien sûr, alchimiste, je suis un alchimiste. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais de l'XP. Et on va se terminer là-dessus. Je vais essayer d'aller relativement vite. Vous allez voir la façon dont je prends de l'expérience. Alors j'ai bien entendu placé tous mes points lors de la 2.26. On a eu une recapitalisation de tous nos points. J'ai bien évidemment placé tous mes points en sagesse. Et au bout d'un moment, j'ai été bloqué. Donc j'ai mis mes points, le reste en intelligence et en agilité. Il me reste un petit peu. Alors ma zone de prédilection, c'est bien sûr le massif de Cagna. J'adore ça. Alors, pour tous ceux qui font des Osamoda, préférez cette zone. C'est vraiment très très pratique. Vous allez vous apercevoir pourquoi. Regardez l'XP que ça vous donne. Et regardez la vitesse des combats. C'est vraiment très intéressant. Alors je vais... Regardez. Petit combat rapide. Voilà, on va essayer également de faire le succès de façon à avoir un petit peu de points en plus, hein. Ce n'est pas du tout négligeable. Alors, quels sont... il va falloir que je fasse tous mes points. Il faut que je bouge au maximum. Alors, je vais par contre... Je vais baisser un petit peu le son. Et donc là, nous allons avoir... voilà, il va falloir que je fasse tous mes points. Donc dégager au plus vite tous ces monstres qui pourraient me gêner lors de mes points de mouvement. Alors, si certains peuvent se poser la question, est-ce que justement, ça m'est arrivé hein, dans les commentaires, est-ce que c'est pas un petit peu embêtant Osamoda, invocation et tout? Je vais leur répondre tout simplement, non, pas du tout, vraiment, justement, moi, ça m'intéresse, j'aime bien. Je peux aller XP partout et je peux également, par contre, je vais faire mon succès hein, quand même. Je peux dropper beaucoup de choses, je peux aller partout. C'est vraiment très intéressant. La classe Osamoda est vraiment une classe à se faire du pognon. Dropper beaucoup de choses. Alors par contre, petite parenthèse, hein, on ne peut pas XP tout seul à Free Ghost 3, donc dans les grandes zones. Mais moi, ça me suffit amplement. Je me fais énormément d'argent et je suis très très content. Voilà les petits loups. Alors on va booster notre... Voilà, j'ai lancé pas mal de mobs au début. Je ne les ai pas boostés. Et maintenant, je vais booster un petit peu tous ces mobs. Mes points de mouvement ont été faits pour le succès qui nous rapporte plus 50%. Voilà, j'ai trouvé un petit groupe super sympa. Pratiquement tout en rouge, hein, 597 000 XP pour juste 3 mobs de merde en plus. Non, je veux pas aller en haut. Je veux aggro les monstres. Alors voilà, on va faire ça. On aggro, c'est parti. On met prêt. Je regarde le challenge. Et le challenge, je l'ai dans l'os. Alors très mauvais exemple. Par contre, regardez la rapidité des combats. Alors faut savoir que c'est bien entendu beaucoup plus rapide en mode tactique et tout ça. C'est-à-dire, regardez ça et ça. Mais c'est très moche. Pour la vidéo, ça le fait pas. On va se mettre dans cet état-là. Alors j'ai repris la main un petit peu, notamment en termes des combats. Je me suis vraiment très vite réhabitué. Il m'a fallu à peu près, on va dire, 30 minutes pour me refaire un petit peu à mon petit personnage. Voilà, je vais préparer déjà ça. Yeah.
Regardez bien, voilà, ce qui est intéressant pour moi, c'est justement ça, c'est la durée du combat, je veux dire, par rapport à l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui ont des classes, malheureusement, elles n'ont pas de chance, hein, c'est-à-dire que leurs classes ne leur permettent pas de mettre tout en sagesse comme moi. Du coup, elles prennent pas beaucoup d'expérience, elles sont obligées d'XP avec d'autres membres. Chose que moi, justement, l'avantage de Osamoda, c'est voilà, c'est ça. C'est, je suis tout seul, j'XP tout seul, je me fais plaisir. Voilà, le combat n'a pas duré longtemps, 597 000 expériences. Voilà, c'est vraiment très rapide. Oh, je vais faire un... Tu vas où, toi? Dernier combat, je vais rechercher un petit peu une zone, dernier combat, mais avec un challenge, bien sûr, réussi, j'espère. À tout de suite. Ce petit groupe, pour terminer cette vidéo, me semble parfait. Donc, 794 000 XP, en espérant, je croise les doigts, et si ça marche pas, bah c'est pas grave. Hein. On passera de toute façon à la prochaine vidéo. Alors, donc voilà. Alors, le combat est assez rapproché, je vais essayer de me mettre sur cette case ici. En espérant que le challenge, je peux le faire. Dès qu'un adversaire, le challenge, je peux pas le faire. C'est pas grave. Voilà. C'est pour vous montrer également donc, la vitesse des combats quand même. Hein. C'est relativement rapide. Alors je vais essayer de me mettre. De me concentrer quand même. Le challenge est foutu, c'est dommage. Sur un challenge comme ça, en plus 50%, on va dire que je me fais du 1 million. Tranquille. Alors j'anticipe sur mes attaques, hein, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Hein. On réfléchit quand même à notre position, aux attaques. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire? Où peuvent aller et à combien de cases nos mobs et aussi également... nos monstres, qu'est-ce qu'ils vont faire comme attaque, quel élément ils vont faire, notamment lui il va faire des attaques de feu. Alors après, une fois qu'on a l'habitude, hein, c'est du tout cuit les petits loups. Il crie notre mob, le gentil dragon. Allez, à toi, Björkmage. Le Björkmage est très fort, hein, quand même. Il fait des attaques de zone non négligeables. Il faut vraiment, par contre, lui mettre un crapaud. Pourquoi? Parce qu'il a, il a peu de défense. Hein. Ça, c'est vraiment le gros problème qu'il a. C'est très peu de défense. Hein. Alors là, je vais anticiper. Donc, je viens de réfléchir. Même en vous parlant, je sais déjà ce que je vais faire. C'est-à-dire donc le sanglier... je vais lui mettre un déplacement félin de façon à ce qu'il se déplace plus vite. Une piqûre pour qu'il fasse deux coups d'affilée. Je vais lui mettre également un croc du mulou. Je vais me reculer d'une case pour lui mettre un cri du sanglier. Pour lui rajouter de la force. Donc là, il va aller toute patate. Il va faire des dégâts considérables. Le Björkmage qui continue sa petite aventure. Alors par contre... Le Björkmage, s'il n'est pas boosté, non seulement il se prend des dégâts énormes, et en plus de ça, il fait des dégâts tout petits sur les monstres. Hein. Alors c'est vraiment dans les débuts de partie que ce mob vraiment fait des gros dégâts. Alors le Tofu, lui, il est exceptionnel. Alors j'adore le Tofu. Il se déplace un petit peu partout. Il a des points de mouvement exceptionnels. Et il fait vraiment des gros dégâts. Non, sans déconner, regardez. Voilà, 2 x 180, ce qui a one-shot donc le truc qu'on voit plus là. Alors il reste plus que 2 monstres, ça va être très rapide. Hein. Je vais quand même mettre un tofu pour finir l'histoire, vous allez voir. Alors j'ai comme vous avez pu voir, je n'ai pas été touché du tout. Voilà. Non, je rajoute même pas de boost, hein, ça suffit amplement. Voilà, il a tué le mob. Lui va mourir. Et le Björkmage va le finir, je pense. Ah non, c'est le sanglier. Non, même pas. Oui, c'est le sanglier. Donc voilà,
C'est très rapide, hein. 794 000 expériences. Et en plus de ça, c'est pas par un pur hasard que justement je viens dans cette zone. C'est également parce que les drops coûtent relativement cher. Regardez par exemple la pierre de rubis que je viens d'avoir. 4000 la pierre de diamant. Les pierres d'émeraude, j'en ai pour 2000. Les bouts, enfin bon bref. Vous l'aurez compris, les drops coûtent vraiment très très cher. Et justement, après, je retourne dans ma maison, je mets tout ça en stock. J'attends que les prix me conviennent tout à fait. Et voilà. Ok les petits loups, je suis content de vous avoir revu. C'était pour ces dernières vidéos. On a eu une petite attitude en cadeau pour la 2.26. Je la fais. C'est nul, on s'en fout. S'y fait lui. Je crois qu'il faisait des réactions par rapport à mon sifflement. Donc l'attitude sifflement. Et également un nouveau donjon qui a été fait. Et ça, pour le coup, je vais vous le montrer. Un nouveau donjon, voire deux donjons. Et avec des nouveaux mobs. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo, les petits loups. Et je vous fais à tous et à toutes des gros poutous. C'était Bob de Pesso. Bye bye.